Salut à toutes, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui sur jeuxvideo.com en direct de la rédac, comme vous pouvez le voir autour de moi, pour un live d'1 heure sur Wasteland 2. Donc Wasteland 2, j'espère que vous l'attendez au moins autant que moi, hein, parce que c'est la suite d'un jeu qui est sorti en 88, qui est considéré quand même comme le papa des Fallout, hein, qui sont quand même peut-être un peu plus connus de nos jeunes lecteurs. Donc c'est comment dire, c'est un stream un petit peu particulier parce que nous sommes donc le 18 septembre, le jeu sort officiellement demain. Donc en fait, si vous voulez, on est sur la bêta Early Access et le jeu bénéficiera d'une mise à jour majeure demain qui devrait changer pas mal de choses, notamment les reproches qu'on peut encore faire à Wasteland 2 en l'état, notamment a priori avec une minimap qui devrait popper peut-être éventuellement une nouvelle portion de l'aventure. Donc là, on en est. Je suis à une partie, j'ai dû jouer à peu près une vingtaine d'heures. Il y a énormément, énormément de contenu. Donc si vous avez des questions, si vous avez envie de tâter un petit peu de ce très bon jeu de rôle tactique en univers post-apo, n'hésitez pas à poser vos questions sur le hashtag officiel, donc hashtag GamingLive. Donc j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Et si toutefois il y a des petits problèmes d'équilibre de son, etc., n'hésitez pas à m'en faire part. Comme ça, j'ajusterai en conséquence. Donc voilà, on va faire un petit pitch rapide sur Wasteland 2. Wasteland 2, c'est quoi? Vous incarnez en fait des rangers en Arizona. Donc les rangers, c'est un petit peu plus que des simples flics, on va dire, hein. Ils font un petit peu ils essaient d'établir un petit peu d'ordre dans les terres dévastées, hein, suite avec forcément une guerre atomique. Donc c'est un jeu de rôle, comme je vous l'avais dit, tactique, c'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas du tout sur du Fallout où vous incarnez un personnage dans lequel vous pouvez vraiment vous identifier. Vous incarnez vraiment un groupe de mercenaires. Donc ça peut aller jusqu'à 7 membres. Donc en l'occurrence, en fait, en tout début de partie, vous pouvez avoir jusqu'à vous créer un groupe une escouade de 4 mercenaires, soit ce sera des paramètres prédéfinis, soit ce sera des paramètres que vous choisirez vous-même. Et par la suite, au gré de vos aventures, qui est quand même. C'est un jeu qui est quand même assez libre, et ben vous rencontrerez des gens, vous pouvez choisir de les embarquer ou non, chacun avec des spécificités. Donc ce que je vais faire, c'est que pour ne pas trop spoiler, je vais éviter de vous montrer la carte générale du jeu, mais je vais quand même vous montrer comment on progresse dans le monde, hein, parce que c'est quand même une composante essentielle de ce jeu, c'est la liberté d'action. Donc par exemple, voilà, là dans l'immédiat j'étais dans la citadelle des Rangers, donc là c'est vraiment votre fief, hein, où vous pouvez bien entendu vous restaurer, avoir tout un tas de quêtes, discuter avec les PNJ à loisir. Et en l'occurrence là, un homme m'avait demandé de trouver plus ou moins, je crois, un remède contre le cancer. Donc comme vous pouvez le voir, le jeu est encore en anglais, il est partiellement traduit en fait. Alors j'espère qu'un patch viendra corriger la chose demain. Et en fait, les petits objectifs en fait ne sont pas toujours super clairs, mais c'est à vous de faire un effort de lecture, c'est à vous, c'est ça qui fait vraiment le charme, c'est un jeu très bavard, c'est à vous de faire un effort pour déterminer les objectifs et les manières d'y parvenir, parce que c'est un jeu où il y a beaucoup de problèmes, mais il y a beaucoup plus de solutions en fait. Vous approchez les problèmes comme vous le voulez. Donc là en l'occurrence, on m'a donné les coordonnées du village de Darwin, qui apparemment abrite une espèce de savant fou qui détiendrait certaines informations assez intéressantes sur le cancer. Donc là on a l'ami Panta qui vient regarder ce qui se passe. Donc voilà, il est juste là. Bonjour. Alors je sais pas si vous le voyez. Si, voilà. Alors j'espère que c'est plus fluide chez vous que chez moi. Et l'ami Epion, évidemment. Ici, mais tout le monde se barre, hein, parce qu'apparemment il est 18 h, donc les gens arrêtent de bosser, voilà. Donc voilà, bah il y en a ici qui restent au front. Eh oui, oui, monsieur. Donc mais merci beaucoup, hein. Et mais ça va aller, ça va aller. Et donc où en étais-je avant cette interruption? Oui, j'en étais. Donc voilà, en fait, si vous voulez, votre escouade se trouve ici et vous pouvez naviguer dans la carte en fait en quelques clics avec des événements aléatoires. Vous avez ici vos rations d'eau et à partir du moment où vos rations d'eau tombent à zéro, vous allez commencer à perdre des points de vie à cause de la déshydratation. Donc vous continuez, et là on va aller au village de Darwin. Je ne vous montre pas, justement, comme je vous le dis, la carte pour pas vous montrer les endroits, parce que le charme aussi de Wasteland 2, c'est de trouver vous-même les spots dans lesquels vous devez aller. Votre compétence survie, je montrerai la feuille de personnage un petit peu plus tard, vous permettra aussi de repérer plus facilement des oasis paumées dans le désert, un petit peu des havres de paix, qui permettent de remplir les gourdes.
Et bien sûr, vu qu'on est quand même dans un univers post-apocalyptique, des radiations jalonnent un petit peu les terres d'Arizona. Donc c'est à vous de faire gaffe, c'est-à-dire que là, dans l'immédiat, vu ma progression dans l'aventure, j'ai réussi à trouver des combinaisons anti-rad pour mon groupe. Si vous y allez sans combinaison anti-rad, vous allez peut-être être en vie, mais vous allez être sacrément, sacrément mal en point. Donc voilà, on continue. Et comme vous voyez là, régulièrement, vous avez des fenêtres de combat qui pop. Donc si vous avez assez de survie et que vous n'avez pas forcément envie de combattre, vous pouvez tout à fait courir. Vous avez une probabilité. Là, en l'occurrence, vu que je suis dans les zones premier niveau, mais moi j'ai déjà bien avancé, j'ai 100% de chance de réussir. En revanche, parfois, dans les zones plus avancées, vous allez avoir 10%, 25%, et ça peut se résumer par un échec. Ça va permettre de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire une composante essentielle de Wasteland 2, ça sera les combats. Donc on va y aller, on va aller voir un petit peu ce qui se passe. Les temps de chargement sont relativement longs. Le jeu n'est pas spécialement gourmand, il n'est pas spécialement beau non plus, comme vous pouvez le voir. Il reste modable, il y a des mods qui rendent le jeu magnifique, mais je préférais vous le montrer en l'état, parce que bon, faut bien reconnaître que les développeurs n'ont pas à, comment dire, à être évalué sur le travail des modeurs ou à se reposer sur les modeurs pour sortir un jeu fini. Donc voilà, donc nous en sommes ici. A priori, des raiders devraient pas tarder à popper. Alors, comme vous voyez, c'est du déplacement à la souris. Et évidemment, il y a un bruyère de guerre. Là, je vois qu'on a déjà un pillard qui est dans le coin. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord essayer au maximum de placer d'une manière à peu près tactique, mes rangers en fonction de leur spécificité. Notamment, on a ce personnage qui est plutôt bon en snipe. Donc, on va le mettre plutôt en retrait. Voilà. Mettons, ensuite j'ai ce personnage là qui a une arme lourde mais qui est également fort en arme de poing, donc je vais le mettre planqué ici. Et comme vous pouvez le voir, les maps quand même restent globalement assez vides en termes de couvert. Et c'est vraiment un gros problème pour un jeu de combat tactique, c'est que je veux dire, on aimerait pouvoir s'abriter derrière plein de choses. Et la plupart du temps, si vous avancez un petit peu comme une brute et que le combat s'engage, vous n'aurez que peu d'endroits où vous cachez, ce qui fait que ça limite vraiment les opportunités de couvert, et c'est un petit peu dommage. Donc là, alors qu'est-ce qu'elle a? Le pompe, on va le mettre plutôt en avant. Et on a également soit du cac ou de l'arme de poing en avant également. Hop, et là c'est mon chirurgien, donc lui j'essaye au maximum de le sauvegarder, parce que vous verrez que vous avez tout un tas de compétences qui se croisent et qui se complètent. Donc c'est super super important de bien avoir connaissance de chaque rôle. Donc là, hop, ça y est, c'est parti. J'étais dans la ligne de vue ennemie, le combat commence. Donc vous voyez, le terrain est divisé en plusieurs cases. Donc forcément, vous avez un certain nombre de points d'action. Donc ça sera tout ce qui est bleu, c'est ce qui vous permet de vous déplacer tout en continuant à tirer avec votre arme. C'est-à-dire que là, ça me coûtera 5 points d'action. Vous pouvez vous baisser contre quelques points d'action, ce qui vous permet d'augmenter vos chances d'esquiver ou de toucher. Vous pouvez également vous mettre en embuscade, c'est-à-dire que vous passez votre tour, mais dès qu'un ennemi arrivera dans votre champ de vision, vous lui avoinerez le museau. Là, dans l'immédiat, étant donné que vous voyez, les ennemis sont assez faibles, hein, c'est du 11 points de vie, parce qu'on est vraiment normalement dans les premières quêtes que j'ai laissées volontairement de côté pour les besoins de ce live. Donc bon, je devrais pas avoir trop de difficultés à en venir à bout, donc je vais plutôt passer à l'arme de poing, me déplacer ici, et directement le tuer. Forcément, c'est du one shot, hein. Certains combats, notamment quand on... parce qu'il y a toute une histoire de robots et de modifications mécaniques sur les habitants des terres désolées qui rendent un petit peu les combats vraiment un peu plus durs. Ça va être du 200, du 450 points de vie. C'est à niveau équivalent, voilà, les combats deviennent nettement, nettement, nettement plus techniques. Donc je peux tout à fait passer mon tour, essayer d'observer la configuration du terrain. Donc le brouillard de guerre en fait m'empêche vraiment de voir la position de mes autres ennemis. Donc là je vais faire un petit peu la brute, ce qui n'est pas forcément recommandé. Je vais progresser simplement sur la carte, histoire de laisser à moi venir à moi les autres pillards. Ou même directement aller à leur devant. Donc hop, voilà, donc les voici, ça devrait pas vraiment prendre énormément de temps, mais ça vous donne une bonne idée en fait de ce que représentent les combats. Et vous voyez autant l'avantage, c'est-à-dire d'un positionnement stratégique, que le défaut d'environnement qui sont beaucoup trop ouverts. Et il y a beaucoup d'ennemis et aucun endroit où se cacher. Donc c'est parfois c'est surtout de la... il faut reculer pour mieux sauter voilà, essayer d'amener le combat le plus possible vers nous. Ou essayer de le positionner comme on le désirait. Donc c'est pas forcément agréable. Espérons, j'en doute malgré tout, que les choses soient corrigées d'ici la sortie définitive du jeu demain. Donc
petite chose qui est pas trop mal foutue, c'est que sachant que chacun a ses compétences propres, vous allez régulièrement avoir du loot, hein, comme vous pouvez le voir. Et au lieu de faire prendre tout, c'est-à-dire que si je clique ici sur prendre tout, seul le personnage qui loot l'objet récupérera ça dans son inventaire. En revanche, si je fais tout distribuer, notamment les munitions et les armes seront réparties en fonction des compétences les plus élevées de vos rangers. Donc ça, c'est vraiment une excellente chose aussi. Donc a priori sur ces endroits-là, vu que ça prie, les combats sont aléatoires, il n'y a pas de mini-carte. Hein. Vous constaterez aussi qu'il n'y a pas de mini-carte ici. Et à chaque fois que vous remportez un combat, vous avez nécessairement une certaine quantité d'XP engrangée. Alors là, je ne sais pas pourquoi il y a certains murs invisibles. Voilà, effectivement, je n'arrive pas à passer, c'est logique. Et donc ces points d'XP, pour les convertir en niveau supérieur qui vous donne des nouveaux points de compétence, il faut appeler votre radio. En l'occurrence, là, je n'ai pas de promotion. Et en fait, votre chef, le chef des rangers, vous donne tout simplement un avancement qui vous permet d'accéder à cette feuille de compétence par personnage. Donc, comme vous pouvez le voir, mon escouade de base était composée de ces 4 rangers. Celle-ci a été ajoutée en début d'aventure et celui-ci vient de nous rejoindre. Je ne sais même plus pourquoi il est là. En fait, celui-ci, il n'est pas très utile dans l'immédiat. Donc voilà, alors continuons un peu. Comme vous pouvez voir, comme je vous l'ai dit, on a de la compétence qui sont gagnées par les niveaux. Vous avez une dizaine, ou je ne les ai même pas comptées, énormément, énormément de compétences différentes qui sont elles-mêmes déterminées par des points de caractéristiques que vous attribuez en tout début de partie. Donc voilà, là, admettons, vous allez avoir de la coordination, vous allez avoir des chances qui vont augmenter votre chance de toucher, de la perception, de la force qui va vous permettre d'avoir plus de vide ou de porter plus d'équipement, etc. Donc c'est à vous de bien répartir les points de compétence en fonction de votre configuration de groupe. C'est-à-dire, ça sert à rien. Par exemple, je vais vous montrer un personnage que j'ai complètement raté dans la précipitation de création de personnages. C'est vraiment regrettable. C'est notamment ce ranger, je l'ai beaucoup trop diversifié, c'était ridicule en fait. C'est-à-dire qu'il a des points partout, c'est précisément ce qu'il faut pas faire. Ça ne sert à rien de se diversifier à outrance. Ce qui est bien, c'est quand même avoir deux compétences d'armes. Le leadership, ça on peut l'affecter à un ou plusieurs personnes, ce qui permet en fait d'éviter de perdre le contrôle, quelqu'un qui devient fou, etc. Mais globalement, en fait, voilà, faut essayer quand même de bien répartir sur notamment les armes. Donc lui ça sera arme de poing, arme lourde. Celle-ci, je l'ai vraiment upgrade fusil à pompe et pistolet mitrailleur. Ensuite, je vais avoir des armes tranchantes pour le cac, des armes de poing. Ensuite, là, c'est vraiment pour le secourisme et la chirurgie que je l'ai accès. Et fusil de précision. L'idéal est de conserver toujours un équilibre. Sous peine en fait de vous retrouver avec des doublons qui sont pas forcément nécessaires, qui se prêtent pas du tout à la configuration des combats, et auquel cas ça peut tout à fait vous causer quelques soucis en combat et surtout vous faire paumer une partie. C'est-à-dire que vous pouvez rater votre personnage essentiellement dans les niveaux de difficulté les plus élevés. Là dans l'immédiat, on joue sur une version, donc là je suis en mode aguerri, donc c'est le mode normal. En fait, vous avez 4 modes de difficulté: facile, aguerri, difficile, très difficile. La seule chose que ça change fondamentalement, c'est les coups portés par les ennemis en fait. L'IA n'est pas forcément extraordinaire. C'est vrai que parfois les ennemis se mettent à popper comme ça et à s'agglutiner à portée de grenade, ce qui est un petit peu ridicule. Donc bon, après tout n'est pas parfait, en espérant simplement que les choses changent d'ici demain. Et là, encore un autre combat qu'on va essayer d'expédier assez vite, et on va rejoindre notre première ville, histoire de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc voilà, je vois que CM The Kim me demande si le pathfinding de l'IA est bon ou se traverse n'importe où, n'importe comment, au front de troupes, un beau massacre. Le pathfinding est encore loin, loin, loin d'être parfait. Par exemple, bon, l'IA en elle-même, donc c'est vraiment vos opposants, elle n'est pas du tout extraordinaire. Bon, son pathfinding, bon, allez, voilà, il est ce qu'il est. En revanche, pour vos coéquipiers, comme tu peux le voir, quand tu choisis de les déplacer, tu les déplaces en groupe ou individuellement, mais forcément ça prend une blinde. Et il arrive parfois que dans des endroits un petit peu confinés, eh bien, tout simplement, ils se bloquent entre eux et bah, la partie est bloquée, en fait. Et il est obligé, j'ai été, par exemple, 2 3 fois obligé de reprendre une sauvegarde antérieure à cause d'un bug comme ça de pathfinding. On les voit courir bêtement contre les murs, donc c'est vraiment pas super agréable à ce niveau-là. Ça gâche pas l'expérience de jeu, mais c'est pas non plus. Enfin, on aurait aimé quand même un petit peu plus de cohérence, et ça se produit essentiellement quand vous,
Vous avez un compagnon qui n'est pas contrôlable, et alors là, c'est juste la catastrophe, il fait n'importe quoi. C'est vraiment très désagréable à ce niveau-là. Donc là, pareil, hein, configuration assez facile, avec quand même des voleurs qui sont un petit peu plus balèzes. Donc on va faire un positionnement un petit peu plus pertinent. Hop. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre en embuscade, et j'ai complètement zappé, je vais pas mettre aux pompes, je vais mettre au fusil mitrailleur. Je vais mettre celui-ci là. Est-ce que je serai à portée? Non, toujours pas à portée. Alors le couvert, ouais, je vais mettre celui-ci à couvert. Il est quand même assez fragile en embuscade également. Donc vous voyez l'embuscade, hein, il arrive dans mon champ de vision, c'est assez classique. Il meurt immédiatement. Alors comme vous pouvez le voir, il y a aussi des bulles un peu dans tous les sens au niveau de l'interface. C'est quand même pas génial. Elle est souvent très intrusive, c'est-à-dire que parfois dans le monde vous allez avoir des bulles que les PNJ vont dire, et parfois l'écran se retrouve complètement envahi de bulles comme ça, et c'est très très perturbant, surtout en combat. Bon, c'est vrai que c'est du tour par tour, donc ça reste quand même acceptable, mais c'est encore une chose qui est à mettre au passif de Westland 2, mais il a énormément heureusement de qualité qu'on peut pas lui ôter, notamment le fait de retrouver bien sûr un univers post-apo et un RPG comme vous pouvez le voir vraiment à l'ancienne, hein. Donc c'est pour ça que ça risque de rebuter des gens, et que contrairement à ce que laisse à penser son Kickstarter, qui a quand même réuni je crois 3 millions de dollars sur les 900 000 demandés, je ne sais plus, en tout cas ça a été un succès absolument énorme. Et il reste malgré tout assez confidentiel, et je pense que la plupart des gens qui attendaient Wasteland sont déjà passés à l'Early Access bêta et doivent être encore en train d'y jouer en attendant impatiemment la sortie demain. Donc j'espère malgré tout que je ferai découvrir à certains d'entre vous les plaisirs de ce jeu. J'essaie de trouver mon tabi, il est ici, j'ai fait n'importe quoi. Donc on va recharger tranquillement. On va se placer ici, hein. De toute façon je crains pas grand chose, et je pense que je devrais en venir à bout avec le fusil mitrailleur. Voilà, c'est terminé, ça a été vite expédié. Donc hop, alors par exemple là on a des trousses de secourisme, je vous montrerai les compétences un petit peu plus tard, c'est quand même bien foutu. Après c'est au début on s'y perd un peu, notamment quand il s'agit de vraiment bien gérer les compétences entre chaque membre. Mais leur utilisation est vraiment indispensable dans l'univers, c'est-à-dire que vous avez, par exemple, si vous avez des tourelles qu'il vous faudra pirater, si vous n'avez pas de génie de l'informatique dans votre groupe de rangers, c'est vraiment la catastrophe. Donc il faut vraiment penser à tout, ne rien négliger. Prenons un exemple très simple, j'avais un PNJ qui m'avait rejoint dans mon escouade qui a été contrôlable vraiment des heures durant. Donc j'avais boosté ses compétences justement en informatique, j'étais arrivé niveau 6 en informatique, qui me permettait donc de pirater pas mal de trucs. Et un embranchement de scénario a fait que elle a fait bon, moi je dois retourner à la base des rangers, je suis désolé, on se reverra plus tard. Et ce qui est que je me suis retrouvé dans mon escouade sans spécialiste informatique, je me suis retrouvé vraiment super coincé, donc ça m'a forcé à claquer d'autres points de compétences là où j'aurais pas forcément voulu pour avoir un panel d'interaction le plus large possible. Une estimation de la durée de vie pour CM The Kid. Alors là, dans l'immédiat, j'ai fait la première portion de l'aventure, je n'ai toujours pas fait toutes les quêtes secondaires que tu vois là. J'ai déjà passé 20 ou 25 heures, je crois, dessus. Sachant que, à mon grand regret, je crois savoir que les parties qui ont été faites au cours de la bêta, donc la version à laquelle on joue actuellement, ne sera pas compatible avec la version Day One, donc qui sortira demain 19 septembre. Voilà, donc j'ai peur d'être obligé de tout refaire, mais bon, ça me permettra d'avoir un groupe un petit peu plus équilibré. Le nombre de chapitres, je ne l'ai pas vraiment. En revanche, je sais que le jeu sera long. Si vous êtes comme moi, que vous aimez prendre votre temps sur les RPG, explorer les moindres recoins, on peut faire un petit tour au Reign Nomad's Camp. D'ailleurs, hop, c'est vraiment ouais, c'est super long. Il y a vraiment des tonnes de choses à faire, et surtout beaucoup de manière de procéder. J'en veux pour preuve l'une des premières missions. En fait, c'est simple, on vous dit voilà, on a deux spots, on a un qui nous approvisionne en nourriture, un qui nous approvisionne en eau, qui ont tous les deux des problèmes. Donc allez sauver l'un ou l'autre. En fonction de ce que vous ferez, vous aurez forcément un impact sur le monde et sur les missions qui vont suivre, en fait. Donc moi j'ai fait un choix qui a complètement dévasté l'autre, en fait, et ça a complètement changé la nature de l'aventure, et ça c'est vraiment quelque chose d'excellent, et ça se produit vraiment plein de fois. Vous pouvez également tout à fait gérer certaines situations par la force brute, mais faut faire très très gaffe à ce que vous faites, dans la mesure où la force brute vous
causera quand même souvent des. Enfin, ça vous fera pas que des alliés, évidemment. Ou parfois par la négociation avec notamment vos caractéristiques de séduction, de manipulation, etc., etc. Alors, donc là, on arrive au village. Donc, je disais, on est au Nomad's Rail Camp. Donc, on va voir un petit peu ce qui s'y passe. Donc, je le découvre un petit peu avec vous. Hop, là, ouais, d'accord, ok, population 44, c'est pas forcément super peuplé. Donc il y a pas mal de petites interactions avec l'univers, on peut observer. Parfois ça donne des petits indices sur les quêtes et les moyens de l'accomplir. Donc là, par exemple, voilà, ça va être consigné ici. C'est quand même assez clair, c'est assez intrusif. Après, l'interface, il faut pas oublier qu'elle est complètement paramétrable, hein. Donc ça veut dire que si vous voulez mettre ça en plein milieu de votre écran, vous le pouvez. C'est pas conseillé, mais si vous voulez le faire, vous le pouvez. Quoi d'autre? Voilà, je voulais vous montrer ça également aussi. Donc il y a plein d'interactions, comme je vous le disais, avec l'univers. Donc soit examiner n'importe quel élément, ça vous en apprend plus sur l'univers. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à lire. Des journaux que vous allez retrouver sur des cadavres, etc., qui donnent un petit peu le background, soit de la personne que vous trouvez là, soit de l'univers en général, avec le passé, le présent et les inquiétudes des gens dans cet univers un petit peu craignos quand même, faut bien le reconnaître. Donc là, par exemple, je vois qu'il y a quelque chose qui est enterré. Qu'est-ce que je vais faire? Je sais que je me trimballe une pelle depuis le début de la partie. C'est assez encombrant, mais ça peut s'avérer utile. Donc on va tout simplement utiliser la pelle sur le petit monceau de terre, histoire de savoir ce qui se cache dessous. Donc là, en l'occurrence, là, je vois que j'ai pas mal de ferraille, c'est pas mal, ça ne pèse rien et ça se revend très bien. Après, j'ai un petit peu de camelote aussi qui se revend parce que forcément, il faut des sous, mais c'est surtout les balles qui m'intéressent. Donc les sous vous permettront d'acheter des kits de soins, enfin tout un tas de choses. Alors, on continue. Hop, là, parce que vous êtes par contre, n'oubliez pas que votre inventaire, en fonction de votre force, vous pourrez porter plus ou moins de choses, mais vous avez vite fait de devenir une mule. C'est pour ça qu'à la fin, on a tenté de prendre toute la camelote pour pouvoir les revendre aux marchands, mais ça va vite vous pénaliser parce que là, par exemple, je commence à être encombré. Une fois que je suis trop chargé, comme n'importe quel RPG, je ne bouge plus. Donc, parfois, il faut choisir soit répartir en fonction l'équipement en fonction de vos rangers, soit tout simplement sacrifier parfois même une arme, qui ne sont pas rares, fort heureusement, pour pouvoir continuer à progresser. Donc là, qu'est-ce que je vois? J'ai donc les cinématiques sont un peu cheap, vous voyez, là par exemple, là c'est encore un petit problème. Là, je vois pas du tout ce qu'elle est en train de me dire, cette dame. Donc a priori, ouais, on va attendre que la cinématique, entre guillemets, parce que bon, c'est très cheap, hein, se termine. Donc voilà, s'il vous plaît, inconnu, mon ami Ralphie est dans le lac, il n'arrive pas à rejoindre le rivage. Pitié, dépêchez-vous, le lac est par là. Bon, allons-y. On va aller voir, donc je crois qu'elle est partie par ici, ou alors attends, je l'ai zappé, non. Ah voilà, elle est par là, donc voilà toutes ces bulles, hein, qui nous donnent une bonne indication de l'endroit où se trouvent les gens. Et l'amiral Fi qui ne sait pas nager, ah oui d'accord, il est là, bon, on va aller le voir, apparemment il m'a pas l'air bien doué, parce qu'il n'est pas bien loin du rivage, hein, monsieur, donc bon. On va voir ce qu'on peut faire, alors est-ce que j'ai des interactions avec l'univers? Là j'ai un puits, donc ça me permet de, ouais effectivement, de remplir mes gourdes. C'est pas mal. Et là, je vois que j'ai. Ah oui, d'accord, j'ai deux troncs d'arbres. Donc, qu'est-ce que je peux faire là-dessus? Par exemple, si je n'avais pas eu, par exemple, ce ranger qui a la compétence force brute, en fait, qui permet de tout flinguer à coup de poing et à coup de pied, il aurait fallu, par exemple, sacrifier des munitions pour couper le tronc d'arbre et surtout. Et surtout sauver le mec là qui est en train de se noyer. Donc je vous cache pas que si je coupe celui-ci, il va tomber sur lui et donc il va mourir. Donc je vais couper l'autre plutôt, histoire d'avoir la gratitude de son ami ou de sa frangine, hein, je saurais pas trop dire. Donc voilà, là j'avais une probabilité en fait de pouvoir l'éclater. Donc voilà, c'est par un système de progression comme ça. Elle était de 100%, c'était assez simple, y a pas de problème. Et là il s'est noyé. Bon, voilà, j'ai trop parlé, en fait le mec est mort, alors que j'aurais agi un peu plus tôt, le mec était sauvé, donc on va voir un peu ce que me dit le pauvre Ralphie, il est un peu mal en point. On va voir ce que son ami me dit, je pense qu'à mon avis elle va pas être forcément ravie, hein, parce que de me voir glander autour de lui sans rien faire, avec l'arbre qui tombe justement, ah oui, forcément. Ah ouais, ok, déjà en plus ça, les rangers ne sont pas forcément en odeur de sainteté, ils sont quand même, oh là là, parfois tout n'est toujours pas très cohérent. Mais oui, les rangers sont assez mal vus dans le monde, dans la mesure où ils seraient été un petit peu responsables de massacres d'enfants,
Et je dois dire qu'en fait, si vous avez joué notamment à New Vegas, si vous avez joué au premier Fallout, de toute façon, c'est le même mec en fait qui est derrière tout ça, c'est Brian Fargo. Il y a plein de clins d'œil, il y a une série fait des clins d'œil à l'autre. Enfin bref, c'est que des échanges comme ça. Il y a quand même pas mal de clins d'œil comme ça. Il y a pas mal de fan service, notamment aussi sur le premier Wasteland. Donc lui, vraiment, c'est 88, donc ça commence vraiment vraiment à remonter. Mais effectivement, il y a beaucoup 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 de choses à découvrir et c'est quand même ah c'est bon, bah là par exemple encore un nouvel exemple d'emploi de compétences. Là je vois que ce mec est pas forcément très bien en point. Ce que je vais faire c'est qu'apparemment il a besoin des compétences d'un médecin. Donc ce que je vais faire c'est que cette fois-ci je vais aller très vite, je vais prendre chirurgien, hop, je vais regarder ce que je peux faire. J'ai que 15% de chance de le soigner, alors que si je prends mon chirurgien vraiment officiel, 79%. Donc on va aller le soigner quand même, histoire de pas le laisser mourir bêtement. Alors est-ce que ça a fonctionné? Ouais, donc voilà, c'est bon. A priori, qu'est-ce qu'il me dit? Donc voilà, après là vous pouvez voir le système de dialogue qui est parfois en anglais, parfois en français. Donc si vous en avez la possibilité dans l'immédiat, passez le jeu intégralement en anglais parce que c'est très désagréable de passer d'une langue à l'autre, autant que ce soit uniforme. Après, globalement, l'ensemble est traduit, convenablement traduit. Bon, après l'humour fait pas toujours mouche, c'est un peu lourd, mais bon. Bref, et donc voilà, le mec nous explique un petit peu qui il est. Et donc vous avez des mots-clés là qui sont ici. Donc à vous de les. À vous de voir en fait lesquels vous intéressent le plus dans l'immédiat. Voilà, hop. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est très 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 bavard. C'est une excellente chose, hein. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir, hop, là on est en français, on passe en anglais, on repasse en français. Bref, parfois c'est un peu confus. Et dans ces mêmes lignes de dialogue, si vous avez par exemple comme ce personnage 4 en intimidation, 2 en séduction ou séduction 3 pour celle-ci. Vous pouvez débloquer de nouvelles options de dialogue qui vous permettront souvent d'ouvrir des portes que vous soupçonneriez pas, notamment accéder à des endroits impossibles, sans passer par la force. C'est encore une fois une manière d'approcher, c'est ce qu'on aime aussi, ce que j'aime dans les RPG de ce type, c'est cette liberté d'action, cette liberté de choix. Si vous avez envie de vous la jouer bourrin, vous pouvez tout à fait jouer bourrin. Si vous voulez la jouer plus subtil, c'est à vous de fouiner et de voir un petit peu ce que vous pouvez faire et essayer de manipuler les gens pour arriver à vos fins. Et ça, c'est vraiment très très bon. Donc depuis tout à l'heure, j'ai vu qu'il y avait une petite étoile qui ornait l'avatar de mon qui s'appelle, je sais même plus, je crois que c'est Bombe Cerise ou un truc comme ça. Donc ce que je fais, c'est que j'appelle mon QG. Alors je clique sur dénoncer, je ne sais pas pourquoi dénoncer a été choisi. J'ai eu une promotion. Hop, au revoir, merci. Je peux passer immédiatement aux compétences. Je vois que j'ai 5 points de compétences. Donc qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Est-ce que lui c'est pas nécessaire? Je vais pas aller chercher dans les autres skills, ça sert strictement à rien. Les autres ont déjà du marchandage, du leadership, de la séduction, etc. Donc je vais essayer soit d'augmenter ses dégâts, les dégâts qu'il fait à l'arme de poing. Non, je ne peux pas, il m'en faudrait 7. Donc soit j'attends une nouvelle promotion pour pouvoir passer niveau 7, soit j'augmente son crochetage, mais je pense que je vais augmenter. Ouais, je vais augmenter son crochetage, c'est très très utile en fait. Vous aurez de nombreux containers, de nombreuses choses à déverrouiller. Pour les déverrouiller, vous devrez avoir, en fonction bien sûr du niveau dans lequel vous évoluez, avoir une certaine compétence, sans quoi vous avez des chances, comment dire, critiques de réussite, d'échec, pardon. Et en cas d'échec critique, forcément la serrure sera définitivement verrouillée. Donc c'est vraiment à vous de voir, d'évoluer dans l'univers, de voir ce dont vous avez besoin, surtout il faut bien prendre son temps. Et équilibrer au mieux votre groupe de rangers. C'est pour ça que par exemple je vous disais que celui-ci est assez loupé parce qu'il est beaucoup trop diversifié, c'est-à-dire que ses compétences ne me servent strictement à rien. Donc évitez de faire ça lorsque vous entamerez une partie, c'est un conseil. D'un autre côté, on va marquer une très très courte page de publicité. On se retrouve dans 3 minutes exactement. Je vous dis à tout de suite pour de nouvelles aventures sur Westland 2. À tout de suite. What you're trying to say. 10-4, Chopper 1. Hang back till I get you some reinforcements. Where exactly are you at?
Et hop, nous revoilà pour toujours Wasteland 2. Donc toujours cet univers post-apo que je vous présente depuis une demi-heure. N'hésitez pas à poser vos questions si vous avez quelques doutes, notamment, enfin je sais pas, par exemple sur la durée de vie. Donc pour rappel, elle est manifestement excellente. Je tiens à préciser pour ceux qui nous rejoindraient en cours de route que le jeu est en phase d'early access bêta. Par conséquent, le jeu c'est susceptible de modifications à terme. Donc là, on était dans la ville de chemin de fer en fait, donc je sais pas vraiment en fait ce que je fais ici. Donc on va essayer d'explorer un petit peu ce qui se passe. Je vois qu'il y a des espèces de petites des wagons qui sont aménagés en maison de fortune. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce qu'on a, hop là, oui d'accord, ok, apparemment ils ont pas l'air très bavards ceux-là. Okay, pas grand chose à faire, donc toujours ce problème d'infobule, hein, c'est quand même pas extraordinaire. Hop, alors attendez, on va continuer tranquillement pour essayer de voir un petit peu ce qui s'y passe. Ah oui, alors toujours ce bon vieux Ralphie que j'ai laissé mourir un peu bêtement. Je pense qu'il va, enfin, on va pas être super copains. Ah bah voilà, bah, vous voyez, je pense que je l'aurais sauvé, on serait pas du tout parti sur un... sur un combat. Là, manifestement, je crois que je vais pas me faire que des amis dans les villages. Le problème, tout de suite, c'est que si je pense que si je les tue, ce qui va forcément arriver, j'ai peur que tout le village se mette à ma poursuite. Donc, à mon avis, il va y avoir un petit peu de combat. Je m'attendais pas du tout à ça. Mon arme est enrayée, en plus, c'est formidable. Et pour la... oh là là. Donc là, par exemple, j'ai 8 points d'action. Si je déverrouille mon arme, il m'en restera 2. Donc, ça me laisserait... Oh, autant dire rien. Je vais m'écarter un peu. Faut quand même que je déverrouille mon arme. Oui, ce qu'il faut savoir, bien sûr, super important dans n'importe quel combat stratégique, c'est-à-dire que là, si je termine mon tour avec encore 5 points d'action, ça me rajoutera un point d'action supplémentaire à hauteur de 10, je crois, sur mon prochain tour. C'est-à-dire c'est parfois aussi un élément de la stratégie que de conserver un stock de points afin d'en avoir plus pour faire plus de dégâts une fois que l'ennemi se rapprochera. Donc ça, c'est vraiment à vous de voir. En fait, les combats peuvent s'avérer extrêmement tactiques à ce niveau-là, malgré quelques problèmes, notamment une certaine profusion de munitions, une profusion de kits de soins, ce qui fait que même dans les niveaux de difficulté les plus élevés, vous manquerez pas de kits de soins. Donc ça, c'est parfois un problème. Ça ne nuit en rien à l'immersion. Donc là, je termine mon tour. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Bah, je vais y aller comme ça, hein, c'est pas grave. De toute façon, c'est un espace vraiment confiné. Donc comme vous pouvez le voir, en fait, c'est un exemple typique. C'est-à-dire que là, le combat à pop, tout le monde est paqué. Et ça peut s'avérer parfois catastrophique, parce que ces personnes auraient eu des grenades. Elles mettaient ça sur mon groupe. Il n'y aurait aucune cohérence à la chance, quoi. Aucune cohérence à la chance, c'est ce que je viens de dire. Ça ne veut strictement rien dire. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Alors attendez, voilà, bon, celui-ci va prendre quelques bastos, ça fait 24, donc bien sûr il y a des affaires de pénétration d'armure, etc. Donc forcément, plus votre arme sera élevée, plus vous aurez des chances de pénétrer l'armure et donc de faire des dégâts. Donc lui, on va l'achever. Oui, effectivement, ouais, je vais plutôt me mettre en retrait parce que lui est au cac. Donc, ah bah les deux d'ailleurs, en fait, voilà, c'en est fini pour toi. Lui, je vais carrément le pas gâcher des munitions parce qu'il est quand même pas très costaud, donc on va y aller à coup de couteau. Ah ouais, c'est le monde post-apo, hein, ça rigole pas. Hop, 23, il est possible que je le termine. Là, voilà, c'en est fini pour lui. Voilà, je suis désolé pour le pauvre Ralphie qui est mort noyé, mais bon, fallait pas non plus. C'est pas de ma faute, j'expliquais au lecteur ce qu'il s'agissait de faire. Alors là, par exemple, je vois que là j'ai une arme tranchante et j'ai pas un truc formidable. Je vais quand même la prendre. Un coup de poing américain, donc c'est pour le cas que je vais le prendre aussi. Donc là il y a un chapelet, c'est pas formidable, je m'en fous complètement. La photo de famille, on va laisser ça sur la dépouille quand même, on n'est pas des monstres. Alors, on continue. Donc, bon bah on va voir comment ça se passe comment ça se passe dans le village, je pense assez mal. Donc aussi bien sûr, hein, des choses importantes, n'allez pas en combat avant d'avoir rechargé. Vous pouvez tout à fait sélectionner une barre d'espace votre escouade et vous faites recharger, on est ok. Alors là je vois que par exemple j'ai mon pote là-bas qui est à court de munitions. Qu'est-ce qu'il y a là? C'est du calibre 38. Oui, il lui restait plus que ça. Donc par exemple, forcément. Un truc bien foutu aussi, hein, c'est que contrairement à pas mal de jeux qui ont des icônes un petit peu similaires, généralement vos munitions sont
parfaitement identifiable. C'est-à-dire que direct, là, je sais que lui, il a besoin de calibre 38, c'est marqué, hein, tout simplement dans le descriptif, vous voyez, avec les chances de critique, les risques d'enrayement, etc. Je sais que les calibres 38, elles ressemblent à, s'il m'en reste, je l'espère, à ça. Donc là, je vois que j'en ai encore 18, théoriquement, je crois que c'est les seuls. Ah non, bah, par exemple, lui, il en a beaucoup, et il est pas très balèze, donc je vais quand même en distribuer à lui qui est un peu plus fort en armes de poing, je lui en donnais une petite dizaine. Il n'y a pas besoin d'avoir forcément énormément de munitions, vu que c'est du combat à tour par tour, il y a rarement plus de 20 coups qui vont être échangés avec la même arme. Hein. C'est quand même assez rare, surtout les armes de poing qui sont au coup par coup, donc forcément, c'est moins, comment dire, c'est moins gourmand en munitions. Donc, alors, est-ce que le village va me tomber dessus? Là, je suis sorti tout seul assez bêtement, donc est-ce que par exemple mon groupe va venir automatiquement? Non, mon groupe va pas venir automatiquement. Il faut que j'aille le rejoindre, que je sélectionne tout le petit monde. Hein? Voilà. Et que je sorte. Alors j'espère que ça va pas trop mal se passer. Manifestement, ils sont pas hostiles. Est-ce qu'il y a du monde qui traîne? Non, bah voilà, tout va bien. Ouais, mais je peux pas lui parler. Non, ça va. Ouais, non, ça va, je m'attendais vraiment à quelque chose de pire, donc on va continuer l'exploration tranquillement. Ah, peut-être une cinématique qui se déclenche. Rob, ah, mais je crois bien que j'avais une quête, si je dis pas de bêtises. Donc le journal de quête, c'est une catastrophe. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez, vous n'avez, n'ayant pas de minimap, vous ne pouvez pas, vos objectifs, en fait, c'est à vous de tout débrouiller pour retenir où aller. Hein, parce qu'à moins que je n'ai... Moi, je suis passé complètement à côté de l'option, vous n'aurez pas de marqueur de quête. Donc, c'est-à-dire que là, c'est vraiment à l'ancienne, vous vous débrouillez. Hein. Et donc, c'est pas pour me déplaire, après, ça peut rebuter. Tout ce que vous pouvez faire, en fait, si vous voulez, c'est soit les trier par priorité. Donc, ça, c'est la quête principale qui consiste à poser des relais radio pour que le réseau des Rangers s'étende. Soit les dernières quêtes données, ou soit les lieux. Donc, un tri par lieu, c'est pas mal du tout. Et là, je vois que j'ai. Ah ok d'accord, donc là il vu que j'avais celle-ci ici. Mais sachant que même ça c'est mal foutu dans la mesure où dans la citadelle des Rangers que vous avez vu en tout début de live, on m'a demandé de donner une lettre de Robert Bowling à sa sœur Cathy. Donc là c'est le donneur de quête qui se trouve à la citadelle des Rangers et c'est non pas le destinataire de la quête. Et ça c'est vraiment assez problématique. Pour s'y retrouver là, je les aurais peut-être pu faire un effort là-dessus, c'est-à-dire mettre au moins que. Enfin bon, certes, c'est marqué ici, mais pour le tri des quêtes, ça aurait été plus simple. À moins, bien sûr, que vous les marquiez, et comme ça, vos quêtes vous se retrouvent dans ce menu. Donc là, je vois que j'ai retrouvé Cathy, parce que du coup, à force de parler, je ne sais même plus si c'est bien Cathy. Ouais, c'est ça. Donc on va aller lui parler. Alors, un truc super sympa, c'est que vous avez toujours des petites descriptions comme ça sur les personnages que vous rencontrez. Ça fait très jeu de rôle à l'ancienne. Vous avez l'impression de lire du jeu de rôle papier, un homme un peu mystérieux qui ne s'est pas lavé depuis 15 jours, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le seul un petit l'incohérence qui est quand même assez balèze, c'est que parfois vous retrouvez donc les portraits, c'est souvent des clones. Vous avez, allez, on va dire, enfin, je vais dire une énormité sans doute. Admettons, vous avez 20 portraits, vous aurez toujours les mêmes. Personne en face de vous, c'est-à-dire qu'il y a très peu de skins, je veux dire, ça nuit un peu l'immersion, c'est-à-dire que par exemple, on aurait pu, elle aurait pu être décrite comme une femme, je sais pas, comme une femme très mince avec des lunettes, les cheveux noirs et un corbeau sur l'épaule, et ben non, en fait, ça sera quand même cet avatar-là, donc ça cache un petit peu le truc, rien non plus de méchant, quoi. Donc voilà, donc hein, j'attendais plutôt mon frère, donc hop, ton frère Robert nous a confié une lettre, effectivement. Une lettre pour moi, hein, donnez-la-moi, donnez-la-moi. Ah voilà, ça tombe bien, puisque je vois que je peux lui parler d'argent ici, sauf que mon rang de manipulation, donc des compétences, n'est pas encore assez élevé. En revanche, je crois avoir quelqu'un qui est manipulation 3, c'est futé. Un ranger, par conséquent, ça débloque ce dialogue. Et là, vous avez des problèmes d'argent. Alors non, moi je croyais qu'on allait me donner de l'argent pour la commission, parce que je suis vraiment un rapia. Et non, en fait, c'est simplement, est-ce qu'on a des problèmes d'argent? Comment vous su que c'est à propos de l'argent? Vous voulez la lettre privée? Donc non, j'ai pas lu la lettre en plus. C'est un cauchemar. Donc apparemment, cette dame a quelques problèmes. C'est un cauchemar, je n'arriverai jamais à le semer. Alors, parfois, alors ça c'est quelque chose qui fonctionne bien, mais pas toujours. C'est que vous voyez, vous pouvez tout à fait taper des choses dans la petite barre de dialogue en fait qui s'affiche en bas. Parce que certains mots-clés ne figurent pas nécessairement dans le. Ne sont pas en surbrillance en fait. Donc là, par exemple, on peut éventuellement tenter de taper. Ah oui, le clavier est en QWERTY.
va taper cauchemar, je vais y arriver. Ah oui, non, le M il est là, hop. Cauchemar, ouais, donc voilà, ça fonctionne pas. Le seul problème, c'est que parfois ça marche, et en fait c'est très difficile d'identifier les mots-clés. Parfois on sait pas du tout s'il faut le taper en anglais ou pas. On va essayer de taper Nightmare, voir si ça fonctionne. Non, ça ne marche pas. En revanche, pour vous donner un exemple de la côté agréable de cet outil, c'est qu'à un moment donné, vous allez arriver, ça c'est vraiment au tout début de votre quête, vous arrivez dans un camp où une femme est à l'agonie dans son lit et elle hurle le nom de son mari. Vous parlez avec elle, la seule option que vous ayez, c'est simplement elle vous demande de la tuer tout simplement pour abréger ses souffrances. Vous tapez le nom de son mari Elroy, là ça va vous débloquer des nouvelles choses et peut-être faire progresser la quête. Donc c'est vraiment à vous de fouiner. C'est pour ça que ça va prendre un certain temps, hein, bien entendu, avant que vous progressiez dans l'aventure. C'est-à-dire c'est l'avantage de prendre le temps, quoi. Donc là, une caisse peut-être un trésor. Bon, bah, voilà, vu que j'ai pas de scrupules, je vais directement aller fouiner là-dedans. Donc qu'est-ce que j'ai des... un conteneur. Hop, donc voilà, vous voyez, petit problème de pathfinding. Bon, dans l'immédiat, pas super méchant, mais admettons, je vais quand même faire une sauvegarde pour pas me retrouver embêté. Quoique, si ma sauvegarde saute demain, ça va pas me servir à grand-chose. Mais dans un espace confiné, voilà, hop, sachant que c'est lui que je dirige. Si lui, je veux le placer, le positionner habilement, mettons ici, ah, bon, là, forcément ça passe, mais il arrivera parfois qu'il court dans le vide et vous serez obligé de déplacer soit tout votre groupe, soit carrément de recharger une partie pour pouvoir progresser et vous placer de la manière dont vous le souhaitiez. Là, oulala, oui, il faut que je parte avec tout le monde. Sinon, ça va pas le faire et ça me fera encore un temps de chargement entre les deux univers. Là, je vois qu'apparemment un coup de feu retentit à l'intérieur du wagon alors que les lourdes portes de métal. Ah, ok, d'accord. Donc je crois que la dame, oui, elle est un petit peu mal en point. Donc voilà, c'est des événements en fait qui se passent comme ça, qui rendent bien justice à l'univers post-apocalyptique, sachant que l'atmosphère du jeu, globalement, l'atmosphère musicale, elle est très sobre, mais ça marche bien. Certains dialogues. Alors je sais pas si c'est du fait de la traduction ou si c'est vraiment l'écriture qui veut ça, parfois elle est un peu désuète, c'est-à-dire que l'humour est pas toujours excellent. Il y a quand même beaucoup d'humour noir, il y a certaines... l'histoire est intéressante à suivre, on a envie d'en savoir plus. Donc, et il y a pas mal d'événements comme ça, par exemple là le mec, il est fort possible, là j'aurais pas forcément eu de compas si j'avais réussi à sauver le mec de la noyade. Elle, j'ai peut-être pas trouvé la bonne solution pour l'aider parce que manifestement elle a des problèmes, elle a on va dire un créancier aux trousses. Elle a un petit peu mal vécu cette dame, puisque bon, elle vient de se tirer une balle dans la tête. Donc voilà, vous pouvez tout à fait faire évoluer l'histoire en fonction de vos choix, de votre manière d'appréhender les choses. Et ça, vraiment, c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend d'un RPG de toute façon, prend ses racines dans le premier Westland et qui s'est étendu jusqu'au Fallout 1, premier du nom, Fallout 2, Fallout 3, qui bien sûr, lui... divise énormément, et enfin on renoue avec une écriture un petit peu plus Tekken avec Fallout New Vegas. Après voilà, on pense plus forcément à Fallout Tactics pour vraiment faire l'analogie, on continue avec Fallout, mais c'est parce que c'est vraiment une licence nettement plus connue que Wasteland, un peu plus récente aussi également. Disons que la composante RP pure qu'on peut retrouver dans les Fallout, c'est-à-dire quand t'incarnes un personnage, t'as vraiment le sentiment de... et que c'est toi qui décide de ton destin et du destin un petit peu du monde aussi, parce que c'est un petit peu le... c'est un petit peu le but. On s'identifie vite, et c'est-à-dire qu'on prend la partie un peu plus à cœur. Tandis que là, par exemple, vous voyez mon personnage, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me faire un personnage 87. lui, ça sera mon chef d'escouade. Et non, forcément, en fait, c'était ridicule pour une raison très simple, c'est qu'à partir du moment où vous dirigez une escouade, il n'y en a pas un qui est moins important que l'autre, et ils n'ont pas vraiment de personnalité propre. Par conséquent, on s'identifie moins, et la dimension roleplay et liberté de, comment dire, d'approche et de choix. On s'y donc, voilà, c'est un petit peu plus... c'est beaucoup moins marqué, mais ça en reste pas moins désagréable dans la mesure où vous avez quand même une vraie prise sur le monde qui vous entoure, et ça c'est très très prisé par les joueurs. Après, il faut accepter des graphismes, ils sont pas forcément extraordinaires, un gameplay qui marche bien, hein, qui marche bien, une caméra qui est vraiment un gros reproche que j'ai à faire à ce jeu aussi, c'est la caméra et l'orientation, c'est-à-dire que... personnellement, j'ai le sens d'orientation d'une carte râpée et c'est sans minimap, j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver. C'est-à-dire que bon, là, vous êtes là, ok, vraiment le seul indicateur que vous ayez pour savoir où vous dirigez, c'est la petite boussole en fonction de là où va votre escouade. Donc là, ça aide pas forcément, je sais que j'ai beaucoup de mal à m'y retrouver. Donc en espérant qu'une minimap, voire même éventuellement un petit côté cliquable ici pour envoyer son escouade et ensuite on la suit, voir s'il y a des événements aléatoires, peu importe, mais essayer de... parce qu'il y a quand même beaucoup d'aller-retour.
Et parfois on est comme ça, on aimerait pouvoir prendre plus de hauteur ou que l'écran défile plus vite, mais vous voyez, c'est pas forcément, ça passe super vite et on s'y retrouve pas toujours, à moins que vous soyez super un vrai GPS ambulant. Parfois vous serez un petit peu embêté avec ça, c'est un menu défaut, mais qui est quand même inconfortable, d'autant qu'on s'en sert énormément. Donc on aurait quand même préféré que ce soit un petit peu plus fluide et un petit peu plus accessible de ce niveau-là. Là, encore une imprudence de ma part, au lieu d'examiner avec ma faculté de perception que j'ai développée sur ce personnage, j'ai ouvert comme une brute en fait un conteneur qui avait un piège, donc par conséquent ça a fait perdre un petit peu de vie à mes comparses. C'est pour ça que j'ai également normalement développé la perception et je crois que c'est ce personnage qui peut désamorcer des alarmes. Voilà, il y a aussi une possibilité de désamorcer les alarmes avec une probabilité de réussite ou d'échec en fonction de votre bien sûr de votre niveau de compétence. Hein. Donc on en a fait déjà un bon tour. J'espère vous en avoir montré assez. J'espère surtout que ça vous a plu parce que ce jeu il est enfin voilà, à la base c'est une idée quand même qui remonte à plus de 20 ans. Ça a été un projet qui était pensé, qui a été avorté à cause de soit de problèmes de budget, soit de problèmes de licence. Enfin bref, et finalement le Kickstarter a permis à ce projet de voir le jour. C'est très riche. C'est un petit peu rétro. Après c'est pas déplaisant. Certains vont dire non mais c'est débile parce que c'est faire un jeu rétro pour faire un jeu un jeu old school pour faire old school sans déploucirer les mécaniques. Je suis pas tout à fait d'accord. Ils auraient pas tout à fait tort, mais je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Ça se laisse très agréablement suivre, pardon. Et ouais, on a envie d'y connaître plus et surtout de, comme je le dis et je le répète, il y a quand même d'un point de vue RPG, on a des composantes qui sont juste géniales, hein, parce que bon déjà du RPG tactique qui se déroule dans un univers post-apo, on en a peu, enfin plus des masses maintenant. Ça fait du bien d'en retrouver un, surtout aussi complet, notamment je vous dis énormément de caractéristiques qui auront un impact direct sur le choix des compétences que vous devez prendre. Vous bichonnez votre équipe, vous bichonnez votre inventaire. Parfois, en fonction de votre combat, vous allez vous dire, alors attends, ici, je vois que cet ennemi-là, il vient au cac, celui-ci, il fait des dégâts de zone. Alors, je vais commencer à répartir mon escouade. Puis ensuite, je me dis peut-être que celle-ci serait plus simple que ce soit une arme de poing. Ensuite, j'ai besoin soit d'une rafale ou peut-être me positionner correctement pour balancer des grenades. Bref, on pense un petit peu à tout. Et la moindre erreur, en fait, bah, du coup, elle se paye souvent cash, notamment au niveau des compétences. Donc voilà, je sais pas trop quoi vous dire de plus, si ce n'est que je vous le recommande quand même dans l'immédiat fortement, même si en l'état le jeu ne peut pas. Le test, je pense que je ne le rendrai que lundi, histoire de repartir à zéro, de jouer tout ce week-end, de rédiger le test afin d'avoir une version testable finale, parce que là ça reviendrait à tester la version bêta, ce qui serait malhonnête en fait. Donc on le fera pas. Je pense pas que la version définitive, vous voyez là depuis tout à l'heure je tourne en fait, ça va faire 15 fois que je passe sous le pont, c'est du grand n'importe quoi. Je ne sais plus où je voulais en venir, oui je pense pas que la version définitive change fondamentalement la donne, mais j'espère que certains bugs, certains soucis de localisation seront corrigés, l'introduction d'une minimap serait vraiment cool. Espérons, parce que je crois que, si je ne dis pas de bêtises, je crois qu'il y a eu, fut un temps, une mini-carte qui est arrivée, et en fait, elle a été virée dans une autre mise à jour, et apparemment, elle est à l'étude, sachant que, là, ça fait partie des Early Access qui ont servi à quelque chose, hein. Les développeurs sont vraiment à l'écoute de la communauté, et je pense qu'il y a de nombreux retours qui sont faits auprès d'eux, il y a quand même des forums très actifs là-dessus, je suppose que toutes les demandes et toutes les petites choses qui ne vont pas monter vont être prises en compte et on aura un jeu, je pense, assez solide pour réconcilier peut-être les gens, enfin déjà pour faire plaisir aux nostalgiques et aussi pour réconcilier les gens avec le post-apo, voilà, en vue du dessus avec des combats tactiques. Donc je crois que le jeu d'ailleurs, en fait, si je dis pas de bêtises, en version normale sur Steam, il est vendu 30€ et il sera disponible en version boîte également, donc ce qui est plutôt cool. J'espère que, je crois aussi qu'il y a une édition collector qui a une cinquantaine d'euros. Et donc je sais pas si je vous ai parlé de la radio qui, au-delà de vous donner des avancements, vous donne aussi des indications sur ce qui se passe. Allez, si c'est pas vraiment chez vous, ça se passe au moins dans un environnement très proche. Vous allez entendre par exemple, oulala, je sais pas trop. Entendre une, bah,
des gens qui se battent, ce genre de choses, ou des gens qui sont désespérés. Vous allez essayer de vous rapprocher, de fouiller un petit peu, histoire de voir ce qui se passe, et là vous débloquez des quêtes qui sont pas du tout liées forcément à l'histoire principale, mais qui s'intègrent très très bien dans l'univers. Les quêtes ne sont pas là pour faire joli, c'est-à-dire qu'il y a une profusion de quêtes, mais celles-ci sont parfaitement, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais elles sont parfaitement intégrées vraiment à l'univers, c'est-à-dire il n'y a pas de quête forcément FedEx, il y a toujours un petit embranchement, il y a quelque chose d'assez sombre, enfin vraiment ce qu'on attend d'un univers post-apo. Hein. Donc où est-ce que je suis là? Tiens, hop, je suis par ici. Alors là j'avance un petit peu bêtement, je ne pense pas qu'il y ait grand chose de plus à faire dans le coin, enfin je suppose que si, mais c'est vrai que là en avançant comme ça, j'ai pas vraiment pris la peine de regarder s'il y avait soit des conteneurs. Oh là, qu'est-ce qui se passe ici? Ah, il y a des junkies. Eh ben, je pense qu'on va conclure sur un petit combat contre les junkies. Allez, on va essayer de faire un truc classe. C'est-à-dire que, alors, soit on se la joue tactique, ou soit on se la joue, on se la joue expéditif. Ce qui est complètement ridicule dans la mesure où les grenades sont quand même chères. Mais bon, j'ai envie de me faire plaisir. Normalement, on va essayer tranquillement de se... Enfin, surtout ne pas rentrer dans leur champ de vision, parce qu'à partir du moment où tu rentres dans leur champ de vision, paf, la rencontre commence et là c'est du tour par tour. On va essayer de se mettre là, manifestement ils m'ont pas vu, on va forcer, je vais m'accroupir, ça augmente les chances de toucher. Et là je vois qu'en balançant la grenade, hop, je te touche les trois, alors est-ce que ça va faire du one shot? Ça fait pas du one shot, je crois qu'il en reste un. Ou non? Ah bah non, pas du tout, donc voilà, c'était le coup de grâce. Donc on va aller voir un petit peu ce qu'ils avaient sur eux. Le loot hein, quand même, ça c'est... Ah bon, alors voilà, alors une autre incohérence qui est quand même assez particulière, c'est que les ennemis ne dropent pas ce qu'ils ont sur eux. Admettons, si vous êtes contre un scorpion rouge qui est une faction qui s'est autoproclamée maîtresse de l'univers, vous avez un grenadier de cette faction là qui vous atomise avec des munitions limitées. Hein, ouais, les adversaires ont des munitions limitées, c'est assez pénible. Enfin, de ce que j'en ai vu, hein, j'ai jamais vu quelqu'un, à part des armes rayées, j'ai jamais vu quelqu'un recharger en fait. Hein. Et ils ne droppent pas donc ce qu'ils ont sur eux. Le grenadier par exemple, on va se retrouver avec un bazooka dessus. Bon, ok, donc c'est pas forcément l'idéal. Donc là, ce petit flingue là, il est pas assez puissant. De toute façon, j'en ai à foison, j'ai ce qu'il faut. J'ai récupéré des bibelots, je ne sais pas pourquoi. C'est vrai que fissure et ferraille, ok. On va récupérer ça. C'est pas grave, ça fera un petit peu de clamotte, je crois que j'ai encore assez de place. J'ai une promotion pour ce type que j'ai récupéré, oui voilà, près des moines tarés en fait, des moines qui se font exploser, qui vénèrent le nucléaire, ça m'a bien fait marrer. Il y a des trucs super déjantés, il y a des disco-bots en fait, c'est des robots qui viennent vous faire danser le disco, du coup ça vous fait un malus, enfin bref, c'est complètement débile. Il y a beaucoup d'humour, il y a beaucoup de choses à faire, il y a vraiment beaucoup de dialogues, il faut aimer lire, faut aimer prendre son temps, mais c'est vraiment 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 super recommandable. Comment on s'amuse beaucoup. J'ai qu'une hâte, c'est de voir vraiment ce que va donner cette version définitive. On va pas très longtemps à attendre. Une seule déception, c'est que forcément ah bah voilà, par exemple, ils veulent de la ferraille. On peut leur en donner si j'ai assez d'intimidation. Oui. Hop. Il veut pas de problème, c'est parfait. Et donc bah, je crois qu'on va pouvoir, on ne devrait pas tarder à pouvoir se quitter là-dessus. Donc pourquoi les autres camés étaient hostiles et ceux-là non? Je ne sais pas, mais à mon avis il doit y avoir une raison, j'ai peut-être pas tout lu, pas assez écouté les choses. Mais à mon avis eux doivent faire partie d'une petite faction, admettons, qui les a rejetés pour une raison X ou Y. En tout cas, je vous remercie infiniment de nous avoir suivis, j'espère que vous aurez pris autant de plaisir à regarder ce petit extrait, cette démonstration de Wasteland 2 dans sa version Beta Early Access que j'en ai eu à le faire. Je vous laisse de mon côté en compagnie de Mermo Ricard qui vous présentera Hyrule Warriors, et si je dis pas de bêtises, corrigez-moi pour la prononciation, ça sera Senran Kagura sur Nintendo 3DS. Donc merci encore de nous avoir suivis, on se retrouve très bientôt sur jeuxvideo.com pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!